Alors, il y a deux choses à distinguer. Ceux qui sont arrêtés à Paris. Dont les sept Syriens. Voilà. La préfecture de police de Paris, sur l'OQTF, ne met pas la mention qu'ils ne peuvent pas, qu'ils peuvent être renvoyés chez eux, sauf Syriens, Érythréens et Irakiens. Ils ne le mettent pas. Sachant en plus qu'elle ne pourrait pas le faire, la préfecture. Tandis que ceux qui viennent de Calais, ils ont une OQTF, mais dessus c'est marqué, ne peuvent pas retourner dans leur pays. Ils ne peuvent pas être expulsés, quoi. Expulsés. On ne comprend pas qu'on donne une OQTF. Oui, obligation de quitter le territoire. Et qu'ils soient. C'est explicitement écrit sur l'OQTF qu'ils ne peuvent pas être envoyés dans leur pays. Oui, mais ceux de, qui ont. Ceux qui viennent de Calais. De Calais. Mais attends, ça c'est possible ça? Oui. Oui, bah, ça a l'air. Mais c'est la préfecture qui. Mais donc, non, mais il faudrait que la SFAM, si tu as le contact, il faudrait que la SFAM fasse une photo, parce que ça, une OQTF qui explicitement prévoit que le renvoi effectif n'est pas possible, c'est une aberration, c'est une contradiction dans les termes. Je peux vous dire donc, si que vous pouvez prendre une photo de ce type de document, par ailleurs, c'est possible, ça existe. Hein. Mais du coup, si vous pouvez prendre une photo. Je viens de les quitter là, ce qu'elle m'a dit. Je vais vous trouver les documents. Ce serait bien juste d'avoir une photo, tu vois, qu'ils fassent avec leur téléphone, une photo de cette OQTF. Oui, mais enfin, tu vas pas leur demander et elles vont perdre leur boulot, franchement. Non, mais bon, ça peut être toi, tu vois, qui a pris la photo en tant que sénatrice. Ah, c'est rien. Une idée.